TVH Land. Hello les amis! Dans cette vidéo, nous allons colorier la robe de la jeune fille. Nous allons utiliser la couleur fuchsia comme couleur de fond. Par contre, pour la couleur d'ombre, je vais utiliser le soft green, qui est un vert. C'est une couleur qui est quand même relativement opposée au fuchsia. Mais lorsqu'on réalise le mélange entre les deux couleurs, on obtient un gris bleu avec quelques nuances vert qui est vraiment très intéressant. Pour choisir les couleurs de mes dessins, je sélectionne d'abord les tons principaux. Puis après, pour obtenir les couleurs secondaires, ombrage, lumière, je vais essayer de faire des mélanges avec les feutres que j'ai choisis au départ. De cette manière, ça me permet de ne pas avoir trop de feutres. Il est assez rare qu'un dessinateur dispose de toutes les couleurs de feutres. En général, on a en moyenne entre 20 et 30 feutres. Et donc, pour les leçons de color de TVH Land, j'essaye de me mettre dans les mêmes conditions que vous, c'est-à-dire avoir assez peu de couleurs à ma disposition. C'est pour ça que j'essaye de faire des mélanges pour utiliser le moins de feutres. En tout cas, n'hésitez pas à faire des mélanges avec ces feutres professionnels. Vous allez voir où vous allez pouvoir obtenir des couleurs assez sympas et inattendues. Ne testez pas les couleurs directement sur vos dessins. Il vaut mieux le faire sur un papier à part. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur notre site, à nous envoyer des messages, à faire des liens sur notre site. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter. Tous les jours, plus de news et de leçons sur tvhland.com. Ciao les amis.